Bonjour à tous et bienvenue dans la benne Gaming Zone pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Grimgor Boîte en Fer. Voilà, et donc on avait ce cher ami qui était dans la merde parce que je crois qu'il est en guerre avec eux. C'est ça. On avait lui, je sais même pas comment ça se fait qu'il existe encore lui. C'était peut-être une rébellion Carpop, parce que il me semble bien qu'il avait été mort à un moment. Après, je vous avoue qu'il y a une semaine presque et demie que j'ai pas touché à cette game parce que, en fait, les trois épisodes que j'avais enregistrés, j'ai eu un gros problème de son. Et j'ai passé une semaine à faire en sorte de récupérer un son à peu près écoutable. Et surtout aussi rechercher d'où venait ce problème de saturation assez dégueulasse qui pourrissait un petit peu le son du micro. Voilà. Donc, alors, déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder où on en était dans nos missions. Avec un héros, réussissez une action contre une colonie appartenant aux nains. Ok. Déplacer un personnage vers Akendorf. Ok. Donc, il va nous falloir des personnages. On va recruter des personnages au prochain tour. Ok. Parce que je crois que j'en ai pas des masses des personnages, en fait. Hein. Ouais, quoique. Enfin, j'en ai tout plein. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils font, là? Ah, bah oui. Ah, bah oui. Je devais être parti... pour commencer à arracher le clan Ishin. Tiens, on a un mec du chaos ici. Il va falloir qu'on le tue. Ouais, je pense que c'était ça. Je pense que c'était ça. On devait se préparer à foncer dans les... dans les Skaven. D'ailleurs, toi, tu vas plutôt revenir en arrière pour essayer de nous choper cette armée. Ah, j'ai une armée là aussi. Il a beaucoup d'armées sur mon territoire, je trouve. Et c'est parce que je pense qu'il doit être étendu par ici aussi. Ça, ça doit être à lui, notamment. Mais je pense qu'on va aller aider notre ami... Et pour ça, j'avoue que j'essaierai bien de lui choper ses armées. Le X, c'est par quelle armée on commence. Bon, ça, je vous avoue que s'ils attaquent une de nos colonies... Après, nos colonies, elles sont dans quel état aussi, c'est ça? Est-ce qu'on a des murs de défense? Est-ce qu'on a... Ah oui, ici, on a tout ce qu'il faut. Ici, on a tout ce qu'il faut. Ici, on n'a pas tout ce qu'il faut. Mais c'est normal, c'est parce que c'est... le dernier endroit qu'on a colonisé, ici, on a tout ce qu'il faut. Ici, on a presque tout ce qu'il faut, mais de toute façon, c'est en cours. Ici, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais il leur faudra un certain temps pour y accéder. Non, je pense qu'on va s'atteler, on va s'atteler au clan Ishin, en fait. On va les tuer avant que... On va les tuer avant que... avant qu'ils deviennent trop puissants et trop emmerdants, je pense. Du coup... Ici, on a quoi défendre? Non. Ok. Donc toi, tu vas pulvériser cette armée-là, et après tu repars par ici pour te faire celle-ci, qui va nous attaquer de toute façon. Ici, on va aller se faire ces deux armées-là. Grimgor, pardon, va aller se faire ces deux armées-là. Et avec lui, on ira se faire les autres armées. Ok, Grimgor, ton équipement. On va regarder l'équipement. Armure du bienheureux. Ok, ça fait quoi? Plus 5 résistance ultime. Plus 18. Résistance à la magie. Et masque terrifiant. Ok. On n'aurait pas un heal ou...
force. Non, j'ai pas de heal. J'ai pas de heal, j'ai pas de heal. Mais bon, il est équipé. Lui. Ah oui, carrément. Oh, mais ça va. Ça va, ça va. On t'est bien équipé, mon gars. On a un masque terrifiant. Ah. Non, tiens, on va te donner de la résistance aux projectiles à toi. Champ de vision de campagne. Coup de recrutement pour les trolls, on s'en fout. Commandement pour les gobelins de la nuit, ça on prend. Revenu des pillages, on prend. Intégrité plus 3, on prend. Les chances de dérober des objets magiques. Voilà. Allez, fin de tour. On va voir ce qu'on va pouvoir faire, mais je pense que vraiment. On va aller bourrer le clan Échine. Oh oui, c'est ça, approche-toi. Puisque je voudrais pas avoir à courir sur toute la map pour vous tuer en fait. Voilà, mais ils vont où? Après, je sais pas si j'avais pas signé une paix il y a pas longtemps avec le clan Échine. Je me rappelle plus. Oh putain, les vampires! Ils sont en train de se faire désosser, hein, j'ai l'impression. C'est un peu con pour des zombies. Et le chaos dont on se fout parce qu'il est bien plus sonore et bien trop sonore pour nous inquiéter. Techno recherché. Ok. Du coup. Amélioration de matériaux pour les araignées Ragnarok. J'en étais où dans tout ça? Ah mais j'avais bien avancé. Hein. Furtivité, coup d'action du héros, moins 20. Ah bah oui. Ah bah oui. On va faire ça. Hein. Du coup, toi tu viens là. Toi tu viens là. Il est en guerre avec qui pour aller de ce côté-là? Les serviteurs du chaos et les fantoches du chaos, mais ils sont pas là, ils sont normalement, il pop dans ce coin-là. Bizarre, ça. Il est bizarre, lui. Je sais pas où il va, hein, mais... Mais il y va, l'enfoiré. Hein. Du coup, toi, avec ton armée, là... Ouais, tu devrais pouvoir t'occuper de ça. Voilà, parce que moi je vais m'avancer vers je vais m'avancer vers le fond de ces territoires parce que je parie qu'il a déjà tout ça en fait. Donc il va vraiment falloir qu'on voit où est-ce qu'il a des trucs. Donc il nous faut un agent. Ok, donc toi tu vas aller chez les nains. Voilà. Toi. Voilà. Toi. Alors, on en était où dans ton recrutement, hein, toi?
Du boys, traqué sans armure. Je peux pas encore recruter un... Ah si! Voilà. Ah mais non, mais j'en ai déjà un en fait dans cette armée-là. Non, je voudrais de l'orque sur sanglier, s'il vous plaît. Je crois que tu peux en recruter ici de l'orque sur sanglier. Non. Ah si, 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 ils sont là. Si, si, ils sont là. Ici sont. Ok, tiens, on peut faire ça. Bah, fais-le. Et du coup, toi. Putain, mais je gagne 10 000 par tour! Mais c'est incroyable ça! Mais comment ça se fait? Mais cette puissance économique dont je dispose, quoi! Mais c'est incroyable! Donc, du coup, tu vas prendre 3 tours pour recruter ça quand même. Ok, Méro, donc toi tu t'es pris un niveau. Et donc toi je voudrais bien que tu viennes par ici. Hasard. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il voulait lui? T'as pas des trucs à faire avec Athènes ou je sais pas des gens quoi. Comme je sais pas moi, les tuer par exemple. Mais ouais, mais incroyable cette puissance économique dont je dispose, j'hallucine. Avec aucune faction, j'ai été aussi riche, quoi. Attendez, mais j'ai combien d'armées? J'ai au moins 4 ou 5 armées. Une, deux, trois, quatre, cinq. Mais j'ai jamais eu autant d'armées et autant de... C'est incroyable. J'hallucine. J'hallucine, quoi. Et pourtant, j'ai je suis plein d'armées, des wags... lui, il faisait quoi ici, en fait? Ah, il nous maintient peut-être l'ordre public, hein. Oui, c'est ça, parce qu'on a de la corruption vampire. Tout plein de corruption vampire. Ça nous fait pas du... Non, ça nous fait pas du... Non. Non, c'était peut-être ça. Oui, ça nous fait de l'intégrité, par contre, du coup... Du coup, c'était bien. Du coup, c'était bien. Toi... Ok, alors, ce que je ferais bien aussi, du coup, vu que j'ai tout plein de... que je suis super méga riche... Ah, je peux pas tout de suite, ok. Bon, bah, on le fera au prochain tour. Mais on va recruter des orques noirs au prochain tour pour les mettre dans l'armée de... Pour les mettre rapidement dans l'armée d'Azag, je pense.
Et donc toi. Own it. Mais après, du coup, est-ce que je te ferais pas recruter, toi? On va commencer à le faire recruter lui. Et puis comme ça on viendra par ici. Parce que ici ça va être Échine. Ici ça va être Échine. Ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il en a peut-être pas tant que ça en fait. Alors ça c'est peut-être un autre clan Skaven d'ailleurs. Du coup. On va voir, on va voir. On va voir. Parce que bon là le clan Isshin, je pense qu'on va le sauter, hein, c'est le bon moment. Là. Un accès militaire, est-ce qu'on a au moins un pacte de non-agression tous les deux? Voilà. Les mains sanglantes, qu'est-ce qu'ils font du coup? Alors, t'as fait la paix avec eux, non? Non. Bon, faudrait que t'arrives au moins à déglinguer une de ces deux armées, là. Ah mais sa capitale c'est Échène, donc ça veut dire qu'il a perdu Château Drakenhof, il lui reste vraiment rien. Putain, l'Empire est en mode rouleau compresseur, ça y est là. Faction détruite, les Von Karstein. Eh ben. Prêt obtenu, ok. Bon. Ok. Bah, je pense que ça va être le bon moment. Allez, on y va. Bonjour. Adieu. Ah merde, tu peux pas aller le choper lui. Ah zut. Dommage. Dommage, dommage. Par contre, du coup, je vais choper ça.
À Grunmigdal. J'aurais peut-être pas dû. Non, j'aurais dû occuper. Quel con. Tant pis. Tant pis, tant pis. On verra plus tard. On verra. Plus tard, plus tard. Toi. On peut pas recruter grand chose ici. C'est ennuyeux. Ah bah voilà. Faire des chariots ici, ce sera bien. Avec des catapultes. Je pense que ça devrait être pas mal. Je voulais recruter un chef orque noir. Perspicace, grosse brute. Ben voilà. Coût de recrutement moins 10, rang de recrutement plus 1. Très bien. Voilà. Et donc toi, tu vas t'approcher de cette armée et tu viendras dans cette armée. Voilà, seigneur non déplacé. Ah mais j'ai lui qui s'était pas déplacé non plus. Voilà, et lui c'est un sorcier que je voudrais bien lui donner. Est-ce que je pourrais pas recruter une sorcière troll d'eau? Non, au prochain tour. Au prochain tour. Héros non déplacé. Est-ce que tu peux bloquer l'armée? Non. Non, il est trop loin. Dommage. Toi, viens plutôt par là. Waouh, 1000 balles pour fouiller des ruines avec lui? Ah vache. C'est cher, hein? On va avancer un peu pour voir ce qui se passe dans ce coin-là. Lui s'est pris un point de compétence. Bloquer les armées. Ça va beaucoup nous aider, ça, je pense. Ah, j'ai. Oui, ce personnage-là qui réduit de 3 quand même la corruption. Hein, mais. Mais j'ai besoin qu'il se déplace. On verra, de toute façon, on n'est pas loin. D'ailleurs, ici, il faut que je recrute quelqu'un pour aller recoloniser cette ruine. Un grand chaman, commandement. Déterminé, robuste. Blasting magic.
Et toi, tu vas venir ici pour nous recruter ça. D'ailleurs, tu te mettras en marche forcée au prochain tour. Et du coup, on est bon. Ces gens-là, il y a moyen de les Welcome, confédérer? stranger. Stop talking. Non. Non, bah je pense qu'on va aller le tuer pour le confédérer. Ce sera plus simple. Fin de tour! Ah merde! Fallait que je déplace un perso à Akendorf aussi. Il va retourner à Akendorf et il dira après à... Hein, c'est peut-être bien les elfes noirs qui sont là du coup. Ce serait peut-être bien les elfes noirs. Il a dû confédérer Agraef et du coup il est dans le coin. Putain, il y a eux, mais ils ont des milliards d'armées, mais c'est que des esclaves. Qu'est-ce qu'il veut lui? Non, parce que j'ai pas encore décidé si je vais t'agresser ou pas. Confédération. Ah. Donc toi, tu vas à Akendorf. Voilà, comme ça, on va pouvoir aller récupérer Gitsnik. Voilà. Pardon. Et du coup, toi, tu vas venir. Bah, tu vas venir ici. Voilà, il y a des nains ici. Il faut réussir une action contre un personnage nain. Reconnaissance, ça sera bien. Donc toi, on t'a dit, tu viens nous recoloniser ça, et toi, tu vas aller vers cet endroit. Putain, on a pas vraiment beaucoup de déplacements dans le coin, c'est Ok, toi. Hein, on a un seigneur non déplacé. Ok, lui encore un tour de recrutement. Et toi? Toi, on va être obligé d'attendre que tu puisses recruter des trucs un peu plus intéressants. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. Par contre, du coup, on va en profiter pour augmenter ça. Deux tours et trois tours, ok. On va peut-être en profiter pour virer une partie de ces gars-là. Voilà, ça nous fera de l'économie parce que du coup, il va recruter du... De l'orque. Est-ce qu'on peut recruter des agents orques ici? Pourquoi pas lui en mettre un dans son armée? Perspicace, tacticien. Rapide. Un champ de vision de campagne. Ouais, toi, tu viendras te mettre là. Parfait. Héros non déplacé ici. Donc toi. Putain,
Putain, 1000 balles pour fouiller une ruine qui est peut-être qu'une ruine. Non, non, non. Ok, donc il est bien là-haut aussi. Hein. Yes, boss. You can't make me do that, boss. What do you want? I serve. Gork will. Spécialiste et bloquer les armées, ça va être bien. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais pas un agent dans le coin. Voilà, amélioration de colonie disponible. Voilà. Ah merde! Ah bah tant pis, au prochain tour. Au prochain tour. T'es qui toi? Ah ok. Ok, okay, t'es le sorcier qui est dans cette armée là. Voilà. Un agent assassiné. Un. Et on est déjà à la fin du tour. Ah, donc là, normalement, vous allez voir que la qualité du son est revenue normale parce que les trois épisodes précédents, là... Ils vont me faire chier à m'obliger à leur courir après, ces petits cons. Putain, je m'en doutais tellement. On va leur courir après avec nos... une ou deux de nos armées, là. Mission envoyée, faites un raid. Oui, non, mais j'ai que ça à foutre. Chagrin de Valaya, bonjour. Voilà, on perd pas de temps. Occupé. Ready for murdering. Voilà. This way.
Ok. Let's get stabby. You're the boss. What you want? Come, Stalmuncher. Keep moving. Ah, ça serait le clan mort, si, si. Possible. Toi, tu vas venir... essayer de nous bloquer cette armée. Ah oui, non. Là, ici, c'est eux. Donc, ils seraient peut-être à Kratomen, mais je pense pas. Je pense qu'ils sont plus au fond là-bas. Tiens! Bonjour, ville des coudes. Ici, il me faut. Oui, non, ce truc-là, je veux pas l'améliorer, ça servirait à rien. Aux champignons, entretien moins 15 pour les gobelins et gobelins de la nuit, perspication, c'est de trouver des objets magiques, sadique, obéissance moins 3, province locale ennemie, dégâts des armes de base 35, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, et toi tu vas venir te mettre dans cette armée là. Non, pardon. Voilà. I'm special. Yeah. That works. Spells are charged. Nasty magic ready. Voilà. Et du coup, je pense qu'après tu vas suivre Pépère parce que je pense qu'on va raser et recoloniser pour pouvoir récupérer des scraps. Le plus possible et le plus vite possible. Non. Ça d'abord. Et du coup, bah si on a les fonds, on le fait, ouais. Bien sûr. Quoique non, on n'a pas besoin. 32 croissance et reconstitution, on n'en a plus besoin. Nos villes, elles sont à fond ici. On peut le virer, ce truc-là. On va faire autre chose à la place. Voilà. Ah, voilà. Donc toi. Entraînement. Tu peux pas venir ici en mode tunnel? Ah, mais si. Il me disait bien aussi. Attends, c'est bizarre quand même. Voilà, Karazakarak. Ah oui, par contre, t'es... Oui, on peut pas recruter. Du coup. Point de compétence non assigné. Grimgore, boîte en fer. Grimgore. Difficile à... Ah oui, il a quand même pas mal de bonus, hein. Faudra qu'on pense à les lui donner. Get some. Ok, Despair involve fighting. Ouais, la WAG elle est encore vivante, mais plus pour longtemps. Dans 3 tours, on n'a plus de WAG. Hein. Donc c'est pour ça, faut qu'on avance vite là maintenant. Fin de tour, et zut! Bon bah tant pis.
pour une fois, on arrêtera l'épisode au début du... Ok, donc ça c'est le clan Morse. Donc c'est bien ce qui me semblait, hein. Le clan Eshin, ils sont installés tout au fond ici. Parce que ça doit être du clan Morse aussi. Ah, fais chier, je peux pas laisser une armée dans mon cul parce que sinon ils vont en profiter pour m'attaquer. Eux, ils servent à rien, voilà. Confédération Théotical Ultime Défenseur, ok. Recrute un animal de compagnie, la reine Arachnarok, l'araignée Arachnarok. Oh mais t'es chiant toi, je viens d'en recruter deux. Mais ce jeu qui se fout de moi en permanence, genre je viens d'en recruter deux, il va encore falloir que j'en recrute une quoi. Qu'est-ce qu'on va recruter? Ah, je suis déjà avant si je fais ça. Ah bah alors attends, on va pas faire ça. Bon allez. Bon allez, on fait ça pour le fun. Et aussi pour que son armée soit full et comme ça au prochain tour. On peut partir vers cet endroit. Et toi, tu restes dans le coin pour surveiller qu'il ne compte pas une armée par ici. Ici. Lui. Il est en train de s'enfuir comme un lâche. Donc, on va poursuivre. Ici. In the motion. Let's get stabby. Yes. No fight. Here we go. Bring it. What you want? Ouais, donc ici ça va être le clan Morse à tous les coups. Non, par contre, regarde qui on a là. Ah merde, du coup on a perdu de vue Caracazul.
Et du coup, eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, eh bien, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de nos aventures avec Grimgore. Voilà, des bisous.